Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Morrowind. Ça commence à être un petit peu le bordel dans mon appart justement. Regardez un petit peu ça. Déjà il y en a dans tous les coffres à peu près. Il y a peut-être quelques sacs où j'ai rien mis. C'est quoi ça? Ouais, donc ça c'est des potions. Donc j'oublie, ouais, je regarde ce que j'ai dit en fait. Il y a des trucs que j'ai mis dans tous les sacs. Les tables, c'est le bordel. De partout en fait. Voilà, il y a des trucs qui sont même cachés en dessous, je suis pratiquement sûr. Que des trucs qui valent cher, bien entendu, c'est des choses que je revendrai peut-être un jour. Ou des choses que j'aimerais peut-être même améliorer, hein, quand même. Un bouclier d'Edric, 157 d'armure, waouh, voilà quoi, il y a de quoi être un sacré gros tank. Voilà, ici, il y a encore pas mal de... Ouais, voilà, le Wakizashi d'Edric. Ça me tente bien, il faudrait que je l'enchante, ça, d'ailleurs. Donc ça, je pense qu'il va falloir que j'aille le faire. J'avais économisé un petit peu de côté, j'avais combien en argent, d'ailleurs? 21 000 en fric. Ça m'a pas coûté 50 000 pour enchanter mon épée que j'ai actuellement. Actuellement j'ai canif, hein, une lame courte, une main qui fait des dégâts de feu 15-19 points pendant 3 secondes. Ça m'avait quand même coûté une petite blingue. Mais bon voilà, j'en ai un peu partout aussi, là, partout, là, voilà, là, partout. Bref, c'est le gros bordel. On va bientôt atteindre le niveau 20 et je check un truc. 100 d'armure, mon bouclier fait combien déjà en armure? 118. 32 poids quand même. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a les effets à côté. Ah, d'ailleurs là... Bah, le bouclier est quand même équipé, on est d'accord. Hein. Bah, ok. Oh là, non, récupère ça toi. On va devoir les récupérer... on va devoir aller réparer quelques armures, je pense, un petit peu. J'ai juste checké si moi j'ai des choses à dégager. Normalement, j'avais fait le tri avant. En gros, si, il y a peut-être les livres que j'ai à poser. Quoi que ces livres, c'est quoi déjà? La reine nouvelle. Ah, si, oui, quand même. Faut que je trouve un endroit où les mettre. Là. Ça me libérerait un petit peu de poids. Je suis pas sûr d'avoir besoin des écrits. On va quand même checker dans le journal de quête. Ça, on va le poser avec, voilà. Pas envie d'avoir d'emmerde. Et après, il y a tous ces ingrédients. Bah, attendez, les ingrédients, on va les mettre ailleurs en fait. Voilà, est-ce que j'avais encore un bouquin qui traînait dans le coin? Non, voilà. Est-ce que j'ai un sac vide? Ah oui, là il y a 13 amulettes de la 6ème maison, elles valent 2000 chacune à chaque fois. Il y a un moyen de se faire un paquet de fric. Donc ça on va les mettre dans l'autre... dans l'autre sac, ici. Ça devrait rentrer, je l'espère. Un dernier bouquin, je crois. J'en ai mis 3, on est d'accord. Ah! Voilà. Et normalement, niveau bouquin, on sera bon. Donc, du coup, on va ranger les ingrédients dans ce sac-là. Voilà. Parce que, mine de rien, ça va prendre la place aussi. Je suis pas sûr de pouvoir tout mettre dans le sac, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça là d'ailleurs, voilà. Racine de trama, du coutil. Je sais même pas pourquoi j'ai du coutil encore sur moi. Ok, 442 sur 610. Il y a peut-être des potions qui sont à dégager aussi. Ouais, les potions de force et tout, ça franchement, je peux me permettre de les enlever. Il y avait une... Voilà, là ici je vais mettre des potions. Tout ce qui est guérison, je les garde. Endurance, ça je les pose. Lumière, radé, oui, ça je peux la dégager aussi. Lévitation, je garde. Respiration aquatique, je peux la dégager. Plume, je garde. Santé, soin, charisme. De toute façon, je n'ai pas de charisme. Alors, ça sert à rien d'essayer de me soigner. Soin, fatigue, standard. Vu comment je gaspille ma fatigue à chaque fois que je marche ou que je combats, c'est pas la peine. Voilà. Ok, donc ça a libéré déjà un petit peu de place. Dans les tenues, il y a ça et ça que je pourrais éventuellement poser, du coup, vu que ça ne me sert à rien. On va les mettre avec les chaussures que j'ai vues à côté, là, voilà. Mais non, il y avait un autre coffre pour ça. Il est où? Là. Voilà. Et ça, c'était quoi, tenue noire de Caius? Fortifié, discrétion, 20 points, 20 secondes perso. Ça, je le garde, c'est indispensable.
Tous ces anneaux aussi, hein, de ces quatre, il va peut-être falloir que je fasse un tri. Ça sera nécessaire. D'ailleurs, là, par exemple, ça va en avoir deux. On va en prendre juste un. Des trucs de ce genre-là. Les anneaux de caméléon, ça, je vais les garder. Anneau de foudre, ça pèse rien. Le désespoir écarlate, pareil, j'en virerai une. Ça, c'est pour gagner de la vie autant que je les garde. Ça, vaut mieux que j'en dégage une. Voilà. Ceinture de vie, je vais les garder. Anneau de la mer, je vais les garder. Ça, pareil, j'en ai enlevé une des deux. Voilà, c'est pas grand-chose, mais... ça permet quand même de récupérer un tout petit peu de place pour la suite. Ça, les deux. Ouais, les deux, autant les poser, là. Voilà. Nickel. Bon, bref. Et du coup, maintenant, on va dépenser quelques piécettes pour réparer, à moins que avec mes pinces de forgeron, je puisse me le permettre. Oui, je pense que je pourrai le faire. Hop. Oui, il faut cliquer sur les items, je crois. Voilà. Allez. Il y a des choses qui ont du mal à se réparer, hein. Oh, regardez la vitesse à laquelle il monte. Cuirasse en peau de sauveur, ouais. En fait, les jambières, c'est toujours ce qui me pose problème. Voilà, 85 d'armure, je retourne à peu près à la normale. Il me reste toujours des pinces de forgeron, donc inutile de dépenser du fric. En fait, il faut que je remplace ces jambières et ces épaulières. Excusez-moi. Sauf qu'en attendant, j'ai toujours pas l'occasion de trouver des choses vraiment qui puissent remplacer. Alors si, j'ai... ah, c'est le tapis qui me bloquait. J'ai bien des comment ça s'appelle ? Des jambières de verre et trucs comme ça, mais voilà, même... enfin, la valeur d'armure, c'est 51. Attendez. Maintenant, je peux les mettre, en fait. Ah bah si, vu que j'ai augmenté en armure légère, c'est plus puissant que ce que j'avais. Attendez. Tenue. 37. Ah bah si ! Ah, carrément ! Alors, les jambières de verre, on va les prendre. Il y avait quoi d'autre qui allait pas? Les épaulières. Est-ce que j'ai des épaulières? Normalement, j'avais des épaulières, il me semble. C'est quoi ça? Non, ça, c'est des bottes. Ah, j'ai peut-être pas d'épaulières de verre. Des bottes, j'en ai 36 millions, mais j'ai pas de... Bon, alors déjà, ce qu'on va faire, ça à la place de ça. Donc ça, on va pouvoir les poser, les jambières d'ossement. Voilà. Et ces deux épaulières, oh, je suis pratiquement sûr, ouais, que du coup, j'ai pas de pas d'équivalent. On a les épaulières d'Oemer, mais c'est des armures lourdes. Ça, c'est de l'armure intermédiaire, 42 d'armure, 39, donc c'est pas intéressant. Ouais, bah je crois qu'en fait je n'ai pas du tout de d'épaulière potable pour l'instant à mettre à la place. Il y a les gants, les gantelets d'Edric, 157 d'armure. Mais sauf que actuellement j'ai sur moi déjà les gantelets de Randagulf qui me proposent 177 d'armure plus un effet constant d'agilité 20 points perso et un effet constant de force 20 points perso, ce qui est juste ultra pété. C'est-à-dire que voilà, force je suis à 122. Agilité, du coup, je suis à 78. Donc, en fait, les gantelets d'Edric, c'est clairement juste pour la déco, quoi. Voilà. Bon. Bah, c'est parti, hein. Je check juste vite fait dans mes coffres, parce qu'il y a peut-être un de mes coffres qui possède des épaulières. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. J'y crois même de moins en moins au fur et à mesure que je regarde. Ouais, voilà, donc c'est bien ce que je pensais, j'ai pas. Bref, allez, c'est parti, une petite sauvegarde. Donc, au dernier épisode, j'avais récupéré du coup Astrelune et j'avais du coup pu accomplir encore une partie de la prophétie. Que me dit le journal? Que me dit le journal précédent? J'ai vu Azura dans la caverne de l'incarné, j'ai reçu l'Astrelune, un anneau enchanté, et appris que j'étais bien le Nerevarine. J'ai passé les trois premières épreuves, je dois désormais montrer l'anneau aux cannes descendantes des tribus et aux conseillers des grandes maisons afin de recevoir le double titre de Nerevarin et d'Ortator. Voici quelles sont les deux épreuves suivantes. Nimani Meza me guidera en me donnant son bon conseil, je dois retourner auprès d'elle. Ok, donc, mis à part, logiquement, le chef de guilde de la... des Urshilaku, qui arrête pas de me combattre sans arrêt dès que je passe la porte, je devrais pas trop avoir de problème à accomplir la suite de la quête. On va bien voir, hop. Alors, du coup, pour ça, il faut que je voyage à Alderune. Normalement, sa tête est dans ma tête, voilà. Voyager à Kul. Et une fois à Kul, direction, du coup, le trajet juste... le camp.
À chaque fois que je saute maintenant ou que je fonce à un combat sans fatigue, je pense à cette personne qui a commenté ma vidéo la dernière fois en disant que c'était une torture pour lui de voir ça, qui supportait pas de voir à quel point je pouvais foncer dans les combats et faire tout ce que j'étais en train de faire quoi, en ayant soit très peu de vie, soit très peu de fatigue. Et moi ça m'a fait bien rire du coup parce que je me reconnais bien là, à savoir que j'aime pas aller lentement. Déjà regardez, voilà à quelle vitesse on irait si je décidais de ne pas utiliser ma fatigue. Autant vous dire que en allant deux fois moins vite, c'est pas 87 épisodes qu'il me faudrait, enfin 80, là on en a 85e, pas 85 épisodes, mais j'en serais déjà à l'épisode 180, 170 pour faire la même chose. Ah, j'ai raté. Donc bon, je suis prêt à sacrifier ma fatigue. Et potentiellement quelques vies, ça me permet d'avancer un peu plus vite au moins sur ce plan-là. Après, je vous avoue qu'une fois qu'on est au sol, ça devient une torture. Hein, quand on voit les PNJ en train de nous maraver et qu'on ne peut rien faire. C'est clairement pas jouasse quoi. Ah, petit brouillard des falaises. Allez viens mon pote. One shot. Il y a peut-être potentiellement un PNJ, un mob là-bas qui pourrait m'apporter du loot. Comme les scènes dorées que j'ai affrontées la dernière fois, enfin les sortes de scènes dorées, ouais. On a un Fush clan là-bas. Bon, le barrière des falaises a dû abandonner la poursuite. Alors voyons voir. Fush clan qui m'a repéré d'ailleurs. Aïe. Bah la porte ici. What? Il m'a fait peur ce con. J'ai un doute. La porte là, j'y suis déjà allé. Ah bah forcément, s'il y a les mobs qui sont morts ici. Attendez, on va quand même checker. Oui. J'ai effectivement combattu ici. Et j'ai bien tout pillé. Comme tout joueur qui se respecte, j'avais eu un gros doute, alors j'ai préféré vérifier. Vous ne m'en voudrez pas. Je l'espère. La petite sainte dorée là. Quoi, tu veux combattre toi aussi? Allez, voilà. Voilà. Bah, c'est moi, ils ont l'air tous rassemblés au même endroit là. On va ranger notre arme. Bonjour? Allez-y, oui, je vous ai... Oula, pas tous en même temps là, ils me font peur à la limite. Bonjour sage femme. Je serai votre guide pour les 7 épreuves du Nerevarine. Posez-moi vos questions, je répondrai avec la bénédiction d'Azura. Alors, du coup, Astrolune. Quatrième épreuve. Ah. La quatrième épreuve est la suivante. La voix d'un étranger unit les maisons. Trois conseils le nomment Hortator. Quand chacune des trois grandes maisons de Vardenfell vous aura décerné le titre d'Hortator, revenez me voir car vous aurez passé la quatrième épreuve avec succès. Quand un ennemi commun les menace, les grandes maisons mettent leurs différents côtés pour élire un Hortator, chef de guerre qui les mène au combat. Allez trouver les conseillers Rédoran, Lalu et les conseillers Telvanni. Prouvez-leur que Dagotur nous menace. Vous ne serez l'Hortator de la prophétie que quand vous porterez le triple titre d'Hortator des Rédorans, Hortator des Alalu et Hortator des Telvanni. Ok, donc attendez. Alors, les conseillers Rédoran, il faut aller à Alrune. Je vais le prendre en photo, ça. Je vais le prendre en photo parce que c'est strict. Enfin, c'est typiquement le genre de choses que je risque d'oublier. De toute façon, ça sera sans doute marqué dans le journal. Et je préfère ne pas prendre de risques. Donc allez à Adrune, siège régional des Rédorans. On dit que leur conseil se réunit sous la carapace d'un crabe empereur, effectivement, fier et arrogant. Les Rédorans sont de grands guerriers et d'ardents partisans des tribuns, ne vous attendez pas à ceux qui vous soutiennent, car ils aiment le temple et Vivec. Ils n'ont que mépris pour les prophéties Lyonnais Rivarine et vous tueront s'ils apprennent qui vous êtes. Prenez garde à eux. Mais dans ce cas-là, faut que je sois un Hortator des Rédorans, sauf que les Rédorans, ils aiment pas les Rivarine. Ok, ça tend d'axe. Les Lalu. Allez à Balmora, au siège des Lalu. Hop, photo, voilà.
Il me semble que c'est là que les conseillers se réunissent dans une grande maison aux pièces innombrables. Les Lalus sont veules, sournois et cupides, et leurs marchands sont tous des fourbes et des menteurs. Il vous faudra savoir lire derrière leurs paroles pour découvrir ce qu'elles dissimulent. Et enfin, le conseil des Telvanni, peut-être qu'ils sont plus sympas. Hop. Nickel. Tac. Voilà. Je crois savoir que les porte-paroles des conseillers Telvanni logent dans un étrange bâtiment de Sadrit Moa. Quant aux conseillers proprement dit, il s'agit de mages vivant dans des tours éparpillées sur toute l'île de Vardenfell. Je ne sais rien d'eux, si ce n'est qu'ils sont terrifiants, malfaisants et très très vieux. Ok, donc en fait, en gros, on a les Redoran qui n'aiment pas du tout le Nerevarin, et pourtant je suis censé leur faire comprendre que je suis Nerevarin et leur seule alternative pour, entre guillemets, les protéger face à Dagotur. Pas mal. Les Lalus, qui sont cupides, sournois, veulent, tout ce que vous voulez. Des gros fourbes et des menteurs, comme elle dit. Et ensuite, les Telvanni, qui, du coup, au-delà d'être malfaisants et terrifiants, et très très vieux, en fait, ne sont pas juste dans un étrange bâtiment à Sadrit Moa, ils sont apparemment éparpillés partout. Donc, est-ce que le fait d'aller voir les porte-paroles des conseillers, ça suffira? Ou est-ce qu'il faudra carrément que j'aille voir les conseillers à peu près à chaque endroit où ils se trouvent? Et dans ce cas-là, ça va être compliqué, parce que comme il n'y aura pas de marqueur de quête ou quoi que ce soit, comme on a l'habitude avec Oblivion et Skyrim, ça va être long, très long, bref. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Je sais pas, 6ème épreuve, 3ème épreuve, non. Urshilaku, même pas, Zenaïb. Mon jugement. Ça, je l'avais déjà raconté, ça. Ah, oui, ça, je l'avais déjà raconté. 4ème épreuve. Hortator des Redoran. Ok, attendez, là elle donne des petits conseils par rapport au fait d'être Hortator, pardon. Et sur les conseillers peut-être même. Bon, conseiller elle a lu. Donc ça c'est bon, elle l'avait déjà donné. Alors Hortator des Lalus. Les Lalus sont de grands marchands, attirés par le profit et subtils dans leur langage. Vous aurez du mal à en trouver un en qui vous pourrez avoir confiance. Peut-être même cela vous sera-t-il impossible. Il vous faudra lutter à l'aide des mots pour découvrir la vérité. Méfiez-vous des mensonges et des pièges, ne vous laissez pas abuser par les apparences et cherchez le pouvoir caché. Ne relâchez jamais votre garde et conservez une méfiance dans tous les instants. D'accord, et l'Hortator des Redoran, c'est quoi? Je ne connais pas les coutumes des peuples sédentaires, mais ce que je sais, c'est que dans les conseils des chefs, il faut entretenir les amitiés déjà acquises et se méfier des ennemis. Trouvez quelqu'un qui est bien disposé à votre égard ou qui pourrait le devenir et servez-vous-en pour gagner les autres à votre cause. Le chef le plus puissant sera sûrement votre ennemi, car il voudra conserver son pouvoir et n'aura nulle envie de le partager. Préparez-vous donc à l'affronter. D'accord. Et l'Hortator des Telvanni. J'ignore quelles sont les coutumes des mages, mais j'ai entendu dire que, tout comme nous, ils accordent une grande valeur aux épreuves de vie et de mort. Ceux qui survivent mènent par la suite une longue existence, tandis que ceux qui périssent sombrent dans l'oubli. Ils sont vieux, étranges et inquiétants. Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai peur. Voilà le conseil que je vous donne. Ayez peur, vous aussi. L'audace et l'insouciance ne payent pas avec les mages, qui n'offrent jamais de seconde chance. Non, parce que plus je lis, plus je commence à adopter... Vous voyez, la façon dont ils parlent dans Morrowind, en fait, je parle comme eux. Dans leur façon de lire le texte. C'est trop drôle. La lune et l'astre. Bon, bref. Donc, du coup, elle m'a donné la marche à suivre. Du coup, on va aller voir les Lalus, vu qu'ils sont à Balmora et que Balmora on connaît bien, et qu'il se trouve que, accessoirement, hop, j'ai un petit anneau qui permet de m'y rendre. C'est parfait, non? Vous ne trouvez pas? Donc, qu'est-ce qu'elle disait par rapport aux Lalus déjà? Parce que j'ai oublié ce qu'elle disait. J'ai pas pris en photo pour les. Ah si, j'ai pris en photo pour les Lalus, c'est bon. C'est ça. Alors voilà, il semble que les conseillers se réunissent. Veulent, cupides, sournois et fourbes voleurs. Et menteurs, pardon. Ok, donc il va falloir être méfiant à ce qu'ils disent. En tout cas, on va y aller animé de bonnes intentions. On va leur passer le petit bonjour. Je crois que c'est cette baraque là, non? Voilà. Bonjour, bonjour. Nileno Dorvain. Ok, donc ça fait longtemps que je t'ai pas venu le voir. Tiens, entraînement, t'as quoi à m'entraîner? Oh, lame courte. Armure légère. On va s'entraîner un petit peu à l'armure légère. Marchander. Non, je ne veux pas marchander. Je vais continuer à m'entraîner. Je crois que ça coûte 400. Oula, ouais, non. Peut-être pas jusqu'à que ça coûte 400.
va monter au moins au niveau 40. C'est à quel sujet? Je peux me le permettre au moins. Et ensuite, pour l'âme courte, elle peut plus rien apprendre. Donc du coup, on va utiliser encore un petit peu de sous pour l'armure légère, jusqu'au niveau 45, allez. Une petite folie passagère, mais... Voilà, je suis monté à 100 d'armure. Hein. Je suis encore plus blindé qu'avant, quoi. C'est juste hallucinant. Bref, alors, bonjour, Nilino Dormain. Alors... Promotion. Ah oui, donc c'est pas à toi que je dois parler alors. Oh, d'accord. Donc ça, ok, c'est à coup de pot de vin que ça a marché. Voici une édition récente du livre jaune de la maison de la Lue. Il dresse la liste de tous les conseillers de la Lue ainsi que leur adresse. Je pourrais vous en dire davantage en échange d'une modeste rémunération. Donc elle me donne le bouquin. Je vais pas cracher sur 50 drinks, je vais en lâcher 3000 juste pour m'entraîner sur un truc au pif. C'est à Crassus Curio que vous devez vous adresser. Son manoir se trouve sur la place Lalu à Vivec. De tous les conseils Lalu, c'est celui qui a le plus de chances de vous écouter, quoi que vous puissiez avoir à lui dire ou lui demander. D'accord, donc ça c'est parfait. On va aller le voir directement, en fait, on va pas s'emmerder. On va aller voir Crassus, qui a un nom, mais ça donne envie d'aller lui parler, quoi. Crassus Curio. Moi, ça me fait pas déjà Crassus, ça fait penser à la crasse directement. Curio, ça me fait penser au mot récuré. Genre récurer la crasse, vous voyez, c'est... le mec, il a une épaisse de couche de saleté sur tout le corps. Et ça se trouve, chaque matin, il se gratte avec genre une râpe, genre un peu râpe pas fromage, là, pour faire tomber tout ça, vous voyez. Un peu comme quand on essaie d'enlever la corne sous les pieds, c'est un peu le même délire. C'est dégueulasse ce que je dis. Bref, au revoir et merci à toi pour le conseil. Est-ce que toi, t'as quelque chose à me dire ou à m'entraîner, tiens? Lame longue. Non, tu ne peux plus rien m'apprendre sur la lame longue. Ah, je suis déçu de toi. Et toi? Sort, ah peut-être en sort, t'as quelque chose de... Miroir de chaîne d'or, réflexion de 10-30%, incroyable réflexion 1-40, ok. Dissimulation, invisibilité, 90 secondes, perso. Je ne pourrais même pas le lancer. En magie j'ai combien? C'est même pas marqué. En magie. Je suis à 42 de magie, ouais d'accord, ok, j'ai compris. On laisse tomber, bon, désolé hein, de t'avoir dérangé. Ah, Dondos. Toi, on a un peu rien à foutre. En fait, je ne suis pas... Oui, je parle trop, je sais. On n'est pas obligé de rentrer dans les maisons, je crois, pour... Armure légère encore. Ouais. Pour, du coup, faire les quêtes des Hortator. Entraînement. La discrétion, je vais l'augmenter un petit peu, tiens. On va monter au niveau 20 pour la discrétion. Parfait. Je suis où d'ailleurs pour la montée de niveau là? 7 sur 10 seulement. Ah oui, c'est vrai que j'ai augmenté des compétences qui ne sont pas des compétences principales. Toi, t'as des bouquins. Marchander. Non, je suis déjà allé voir marchander. Entraînement, marchandage, éloquence, athlétisme. Donc toi, t'es le mec que je dois voir si je veux être plus compétent pour vendre ou acheter des trucs. Et toi, du coup, ma belle demoiselle qui recherche un mec mortel. Discrétion, acrobatie, combat main nue. Bon, combat main nue, là, je vois pas forcément l'utilité pour l'instant. Acrobatie, je veux dire, bon, ça va aller, hein, je crois. Acrobatie, je suis à combien? C'est marqué où déjà, acrobatie? Attendez, je retrouve ça, là. Bah. J'ai bien un truc marqué acrobatie quelque part. Là, voilà, je suis à 45 en acrobatie. 91 en acrobatie. Excusez-moi du peu, quoi. Ça sert à rien de le monter jusqu'à 100, ça montera tout seul. De toute façon, à force de sauter. Bref, direction Vivec, j'ai assez parlé. Oh là là, j'ai même plus besoin de descendre des escaliers, je peux sauter par-dessus carrément. Ah, c'est vrai que Ravir attend peut-être sa dose de sucre lune, il faudrait que je le revende un de ces 4. Puis de toute façon, les petites dépenses que j'ai faites là, je pourrais les éponger avec le loot que justement j'ai mis de côté. Donc c'est parfait. Donc on va aller au bâtiment de la Lue. Le trajet juste pour vous, et le prix reste toujours aussi bas. Ah oui, tu me l'as dit déjà quand on est parti tout à l'heure. À moins que ce soit pas la même personne, je sais plus. Je retrouve le quartier de la Lue. Le quartier de la Lue serait là-bas. Ok. On va essayer d'y aller avant la fin de l'épisode. Je suppose qu'il faudrait que je monte sur la place principale, donc la place forte qui est tout en haut du bâtiment.
Forcément, le pont, il se trouve de l'autre côté. Donc là, on est au quartier Redoran. Redoran, je veux dire, Redoran. Ouais. À chaque fois, j'hésite. Redoran, Redoran. Il y a des noms, je les prononce un peu au feeling. Et là, je trouve que Redoran, ça passe mieux que Redoran. Par exemple, l'Alu, avant, je disais l'Alu. Voilà, donc là, normalement, on est sur la bonne place. On se fait les mollets. Complexe, l'Alu. Merde, c'était pas là. Pour monter, c'était encore plus haut, du coup. Dites-vous bien que si je porte le casque des ordinateurs, qui franchement ils claquent sa race, hein, je me fais poursuivre par eux dès que j'arrive dans la ville. Hein. Donc on va éviter. Cercle de la nation elfique. Ah, là c'est quoi ça? Alchimiste, l'a lu. Oh, alchimiste. T'as peut-être des choses à me vendre toi. Ah oui, mais c'est surtout des potions. Ouais, non. Je vais pas m'embêter avec ça maintenant. Manoir Curieux, ce qui est parfait puisqu'il s'appelle Curieux, donc c'est ici. Et c'est toi, Crassus, je suis sûr. Ah non, même pas. T'étais bien habillé, je me suis dit c'est toi. Il doit être en bas. Non, c'est pas toi. Ouh, attendez. Rien d'intéressant. Non, vraiment rien d'intéressant. Elle était pourrie cette chambre. Vous voulez quelque chose? Ah, toi tu voilà. Sa voix et son physique me rappellent quelque chose indubitablement. De manière sans équivoque. Bref, donc nous voici Crassus. Tu arrêtes de me couper la parole. Nous voici donc devant Crassus Curio. On va arrêter cet épisode juste ici, donc en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, c'est Looping. Bye bye.